Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser en fait ChatGPT. Alors comme vous voyez ici, moi je suis déjà connecté, alors je clique sur Logout pour déconnecter. D'accord. Alors comme vous voyez ici, nous avons soit Login ou bien Sick App. Alors de tout simplement, je tape d'abord ici Chat, ok, Chat OpenAI. Très bien, alors comme vous voyez ici, on a Login ou bien Sick App, alors je clique sur Login. Voilà, ça prend du temps. Et après, en fait, voilà, soit je tape ma adresse mail, c'est déjà, je suis déjà sur une TV avec mon mail et mon mot de passe, ou bien je clique de tout simplement sur Continue with Google. Très bien, alors ici je sélectionne ma boîte mail. Et après, voilà, ici en fait, j'ai créé n'importe quelle question avec n'importe quelle langue et on a en fait la génération automatique de la réponse. Très bien, alors par exemple, je dis hello, alors je suis en train de parler avec un robot qui utilise l'intelligence artificielle. Voilà en fait la réponse ici qui sera générée. Voilà, hello, how can I assist you today? Très bien, alors par exemple, je lui dis give me a cover letter, c'est-à-dire l'autre de motivation about l'intelligence artificielle. Ok, artificial intelligence. Ok, voilà en fait, on verra que la lettre de motivation sera générée automatiquement. Bien sûr, il vous donne un choix pour la remplir. Voilà, il produit, je pense, problème de connexion. On attend. Voilà, ici vous pouvez cliquer ici sur Stop Generating. Alors, I am waiting to express my being interested in the position. Alors, oui, et voyez, vous terminez. Très bien, alors vous pourrez en fait stopper ici la génération de votre réponse. Et même en fait, lorsqu'il termine, vous pouvez en fait lui demander de traduire ça en autre langage, soit anglais, ou bien français, ou bien arabe. C'est-à-dire n'importe quelle langue. Alors, par exemple, je traduis par exemple ça en français. Ok. Alors lorsque en fait elle va terminer en fait la génération de réponses. Je vais lui envoyer en fait cette question. Traduis ça en français. Copy service another. Okay, I am current role. I have lead development. Voilà, je clique par exemple, mais je vais laisser terminer pour poser en fait des simples questions. Alors, comme vous voyez ici, nous avons question assistance, c'est-à-dire les questions que j'ai déjà posées. Alors vous pouvez en fait supprimer là la conversation, ou il y a upgrade to place, mic mode, ok, ou bien upgrade, et ici vous cliquez sur logout pour se déconnecter. Complexe, bon, je vais là laisser jusqu'à en fait se termine la génération des réponses. Solution I am not only meet the technical requirement but also link with the strategic goals of the organization. Additional, I possess strong communication skills and can explain complex technical concepts to non-technical stakeholders in clear and concise manner. I am excited about opportunity to apply my skills and experience to help your organization achieve its goals. Thank you for considering my application. I look forward to discussing my qualification further. Très bien. Alors je pense ici, comme vous voyez, il vous donne en fait où vous pouvez écrire votre nom. Alors voilà. Bon, on pourra en fait lui demander de traduire ça en français. Voilà, comme vous voyez,
réponse sera générée en français. C'est-à-dire qu'elle comprend en fait qu'on parle de la même chose. D'accord, voilà, chez les responsables de recrutement, je vous ai créé. Alors, je peux stopper la génération des réponses. Par exemple, ici, je tape n'importe. Par exemple, c'est quoi? ADN. Par exemple, c'est quoi ADN? Acide nucléobiclique. Ok. Voilà, il vous donne en fait la réponse bien détaillée. Voilà, c'est tout. En fait, vous pouvez en fait écrire n'importe quelle question. Alors, tout est facile avec ChatGPT et on se verra dans les autres vidéos. Merci.